Coucou à toi, bienvenue pour un nouveau rituel. Tu vas croquer la pomme. Non, c'est pour faire tes vœux de nouvelle année. Tes vœux, tes désirs, quels seront-ils pour cette année nouvelle 2024? Donc, ce que tu désires le plus, pour certains, ça peut être l'amour, pour certains, ça peut être le travail, pour d'autres, ça peut être tout. Eh bien, tu vas devoir utiliser premièrement une pomme que tu auras au préalable coupé ouvert parce qu'il va falloir te mettre à l'intérieur pardon une bougie verte, donc ces petites bougies vertes. Avant cela, on utilise comme à chaque fois, donc la pomme c'est aussi un signe d'abondance, je sais pas, un signe de récolte de tes voeux quelque part. Croque la pomme, croque la vie, croque ce qu'on te donne. Tu y mets du sel comme d'habitude, même si on a un peu partout. Tu y mets de la cannelle comme d'habitude. Pour beaucoup de rituels, n'hésitez pas à aller voir ceux qui vous parlent, hein, ceux qui sont. Ça sent déjà bon la pomme à la cannelle. Bon, cannelle molida, vu que je suis en Espagne. Et par rapport à ça, vous utilisez une bougie verte que vous allez mettre à l'intérieur. Et que vous allez laisser brûler jusqu'au bout. Je vais ensuite lever la caméra pour que vous puissiez voir. On va faire ça tout de suite d'ailleurs. Donc, hop. Et vous dites ce que vous désirez comme souhait. Hop là, par magie, ce que je désire. Et je demande à l'univers avec gratitude. En plus, je l'ai mis sur une fleur de vie. Donc, ça peut, si vous avez ce genre de fleur de vie, posez-le dessus, accentuez la demande à l'univers. Gratitude à l'univers pour les vœux que je désire voir se réaliser cette année 2024. L'amour, rencontrer le grand amour. L'argent, que ma situation financière s'améliore. Trouver le nouveau travail qui sera fait pour moi. Voilà mes vœux. Et la santé, par exemple, voilà mes vœux pour cette nouvelle année. Et vous laissez consumer la bougie jusqu'au bout. Ensuite de cela, eh bien, on peut la mettre comme d'habitude sur un jardin, enterré dans la terre ou dans nos déchets, à la poubelle, qu'elle soit dans la maison ou hors de la maison, c'est pas très important. Faites vos vœux et laissez surtout brûler la bougie jusqu'au bout. Bonne année 2024!